Madame, Monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial Sila sur Média Haïtien en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité au concernant pays d'Haïti, avouez-nous dans la troisième ville pays, juridiction des CAE, côté commissaire Ronald Richemont, après arrestation militant politique Mitil Masné, alias Arabla, c'est tout, chef opposition dans le département sud pays d'Haïti, qui c'est Archibald Fils, qui c'est bras droit. Guy Philippe, révolutionnaire. Eh bien, mesdames et messieurs, gagné commissaire Ronald Richemont, qui est commissaire juridiction des CAELA, qui arrivait arrêter Archibald Fils, lui-même qui est pas de jambes suspendre, mobiliser Moun dans la troisième ville pays d'Haïti pour exiger départ Premier ministre Ariel Henry. Eh bien, jeudi et mardi 20 février 2024, là, gagné et commissaire. Qui c'est Ronald Richemont qui arrivé arrêté Archibald Fils, yon l'autre coup pour opposition que en pile monde critiqué comme persécution politique pouvoir Ariel Henry a fait et sous militant politique yo. L'autre point dans actualité a gagné dans ça qui gagne pour avec assassinat et président Jovenel Moïse, juge instructeur Walter Wessé Voltaire qui t'a mené dossier si là rendu ordonnance 122 pages et dans ordonnance ça plus passer une cinquantaine moun voyé devant tribunal criminel pour y aller juger sans assistance jury parmi yo ancienne première Madame Martine Moïse ak ancien premier ministre, ancien ministre affaires étrangères, responsable parti politique EDA, Claude Joseph qui figurait parmi moun sa yo gen tout ancien secrétaire général Palais National là, Renald Luberis lui-même là, mesdames et messieurs, qui ouais que li nan li ça toutefois en pile critique sous ordonnance ça côté au fait que juge instructeur Walter Wessé Voltaire t'a fait travail et pouvoir et estimé c'est une quantité moun yo mette pour capable bouiller piste qui pour mener avec frais et coupable yo nan cadre dossier qui gen pour ak assassinat et président Jovenel Moïse qui était assassiné la Kaili l'an 6 pour 7 juillet 2021 en pile moun réagit sous dossier ça, la Voix de l'Amérique pour le présenter nous. Un dossier spécial. Mais dans l'autre point, toujours dans le pays d'Haïti, ta concertation paraît là pour yo vraiment chita, pour yo capable et définir une nouvelle stratégie pour ça qui gen pour ak mobilisation dans le pays d'Haïti. Ta mobilisation qui regroupe plusieurs structures politiques, yo entendu yo là dans jou kap vini yo pour yo relancer ak mobilisation yo dans 4 points pays d'Haïti dans l'idée pour exiger départ Premier ministre de facto Ariel Henry qui selon accord 21 décembre mandat te doué bout depuis 7 février 2024 qui s'est passé là non sans ça mesdames et messieurs divers partis politiques a entendu là gros rencontre a fait pour yo reprend béton pour exiger départ Premier ministre Ariel Henry. Dans actualité internationale après l'enmo Navalny Alexei qui c'est vraiment un opposant farouche président la Russie Vladimir Poutine après le te fin mouri dans prison mesdames et messieurs n'a parlé de Navalny et réaction ou pas suspendre tomber dans international là côté diverses autorités a accusé président la Russie qui c'est Vladimir Poutine comme quoi c'est à youn nan moun qui t'a étouillé monsieur Navalny qui c'est vraiment yon figure emblématique dans opposition russe là mesdames et messieurs. Eh bien après et Volodymyr Zelensky qui c'est président pays Ukraine nan te fin accusé Vladimir Poutine comme moun qui t'étouillé eh bien et Navalny gagné madame Navalny tout qui t'est accusé et président Poutine, mais cette fois-ci, c'est maman Navalny qui mandé pour Vladimir Poutine remettre le cadavre petit li, malgré tout ça a dit lui-même, ça important pour lui, c'est à ouais, il y a cadavre Navalny pour le faire un enterrement digne pour petit garçon qui
qui représentait yon vraiment figure emblématique dans pays la Russie. Entre-temps, divers moun continuent à défiler dans ville Moscou, capitale pays la Russie, pour déposer Jevle Lannon, mesdames et messieurs, Navalny qui était représenté yon et vraiment gros potori garçon dans pays la Russie, ça qui la cause en pile réaction dans international là. Toujours dans international là, dans Nations Unies, États-Unis posé droit de veto li sous anti une autre fois encore pour exiger un cessez-le-feu et dans guerre israélo Hamas là pour vraiment là garder comment yo capable gérer dossier guerre ça qui éclaté depuis 7 octobre 2023 mesdames et messieurs. Entre-temps, les États-Unis a multiplié contact pour capable définir puis bon moyen pour camper la guerre ça dans pays Moyen-Orient yo. N'a invité rete sous la voix de l'Amérique pour plus de détails dans information nous saute traité à couyo. Elize, yon plaisir l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter un programme en langue dans langue créole haïtienne. Moi c'est Jacques Belizer. Quelque dans grand point cap dominé actualité. Arrête dans la presse, juge Walter Wessel Voltaire dans une ordonnance voyée devant la justice criminelle plus passé une cinquantaine personnalités qui gain rapport avec enquête sur assassinat président Jovenel Moïse. Parmi personnalités sa yo, gagne première dame nan Martine Moïse, ancien premier ministre Claude Joseph ak actuel ambassadeur pays d'Haïti dans l'OEA Léon Charles. Dans Nations Unies, États-Unis posé yon l'autre fois encore yon veto pour bloquer yon cessez-le-feu immédiat dans guerre israélo-Hamas là. Et puis toujours dans international là, maman Alexei Navalny mandé président russe Vladimir Poutine pour mettre les cadavres petit li pour le rendre li yon dernier hommage qui digne. Pour ça yo avec l'autre encore nous parle développer pour bienvenue dans développement actualité sur la voix de l'Amérique. Depuis hier, gros nouvelle là, c'est yon document qui sorti dans la presse locale et internationale, sous yon ordonnance que juge Walter Wessel Voltaire, qui lui-même tapé instruit dossier enquête sous assassinat président Jovenel Moïse là. Et d'après ordonnance, il y a même 50, plus passé 50 et moun qui a gain pour aller devant justice criminelle qui a gain pour yon ouais avec et assassinat président Jovenel Moïse. Par exemple, ancien secrétaire général Palais National là, Renal Luberus, voyait jeter ordonnance juge là. Monsieur Luberus trouvait le parmi 50 personnalités sa yo qui gagnent pour aller devant la justice et puis pour la police arrêter et mener devant la justice. Nous gagnons sous place dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Juge Walter Wessel Voltaire cap enquêté sur assassinat ancien président Jovenel Moïse. Publié hier lundi un rapport final qui inculpait formellement veuve Martine Moïse, ancien premier ministre Claude Joseph, ancien directeur général police nationale d'Haïtien Léon Charles, Renal Luberis et Latrier, ancien DG PNH Lan, Léon Charles, qui jeudi ses représentants permanents pays d'Haïti auprès organisation État américain, fait face à accusation qui pi gravio tant qu'au meurtre, tentative meurtre, possession ak port illégal d'âme, association malfaiteur contre sécurité intérieure l'État et Latrier. Bon côté pâle, Martine Moïse ak Claude Joseph accusé de complicité et association malfaiteur. VOA Creole contacté en vain Martine Moïse ak ancien premier ministre Claude Joseph. Bon côté pâle, ancien secrétaire général Palais National là, la justice renvoyé pour al juger devant tribunal criminel qualifié ordonnance jugelant de yon torchon judiciaire. Renal Luberis parlait de yon tentative pour détourner attention sous mouvement qu'a fait nan paysan pour forcer, selon Salzi, PM de facto à démissionner. Ça, Walter, est publié, c'est yon torchon judiciaire. Nous comptons ça comme torchon. C'est-à-dire en fait qu'il va avoir une pièce valeur, elle a fini dans la poubelle ensemble avec auteur et co-auteur. Donc c'est ça la destination. Donc son tentative pour détourner attention nous du véritable assassin président. Sont en tentative pour dire que et si le président n'a pas tué d'être lycée proche lui ou qui est tué, donc depuis il a dit ça, il dit enquête la campée. Et ça qui mal là, il n'a pas été assez malin pour découvrir l'action pour mon patrouille. Dès le début, nous avons dénoncé ça, nous avons dénoncé ça. Donc ça n'a pas étonné nous avons attendu à ça. Ordonnance Jigelin pas étonné ancien collaborateur Jovenel Moïse qui dit qu'il a été en courant. Juge Walter Wessel Voltaire
pas gain probité morale et intellectuelle pour te conduire dossier ça selon Renal Lubéris. Et nous-mêmes nous était qu'on ouais quoi c'est ça que fait par exemple Martin Moïse te dit que pas devant juge ça parce que pour suspicion légitime parce que juge ça a une acquaintance politique avec groupe monde qui accusé dans la mort président. Juge la sorti dans même parti politique avec John Joel Joseph, juge la sorti dans même parti politique avec Paul Denis et qui était dans réunion avec un paquet de monde qui accusé dans et la mort président. Juge la sorti dans même parti politique avec Don Cato. Juge la sorti dans même parti politique, dans la même famille politique avec Ariel Henry. Près de 50 suspects inculpés dans rapport ça qui gagne 122 pages, 11 autres suspects extradés vers les États-Unis et inculpés pour homicide, 3 là-dedans déjà condamnés. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel, nous t'ai essayé et ben joindre réaction non monde parmi 50 monde que ordonnance là voyé devant la justice criminelle mais était difficile et même impossible pour nous te joindre nous et correspondant dans Port-au-Prince Massado Villemain lui-même ital dans la rue pour te gagner opinion monde qui dans la rue n'a parlé de Massado Villemain en allant ça. Oui, c'est Voltaire rend sous dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Dit gen parti pris dans dossier si là. Et j'ai attendu deux monde qui était très important dans dossier. C'est Matéli, c'est PM Ariel Henry. Je ne jodia avec en pile étonnement tout monde a suivre, yo blanchi yo retiré dans ordonnance. Ordonnance là gen fait passer gen monde yo supposé arrêter. Comme n'a vive dans un pays démagogie. C'est 10 ans qui ont été réglés, c'est 10 ans qui ont été faits, ils ont fait leurs amis. Le premier monde qui a fait la mort, c'est Madame Koch. Il n'y a pas qu'à retirer. Parce que côté Manzé, il y a besoin de quand même. Il y a besoin de balle, mais il y a besoin de Manzé. Parce que c'est Manzé qui m'a fait ça. Ça m'a pas de rapport. Tout le monde qui était dans Zach Douel, qui était dans tuer le président. Pour tout le monde, ça y a un rapport. C'est ça qu'on rapporte. Keklot même dit, il y a prétendant arrestation ancienne première dame Martine Moïse. Il y a quoi qui c'est principal monde qui compte assassin ancien président Jovenel Moïse là. Pourquoi moi pas j'aime satisfait parce que beaucoup j'aime Marie Martine. Pour yo Marie Martine, pour Martine dit en dans Kayla qui est-ce qui t'est entré, qui monde qui t'est venu. Martine Moïse en tant que première dame, il connaît nous même place pigeon là. Il l'aime te chita avec plusieurs fois réunion écrasée. Nous pas j'aime chita avec président. C'est cause lui-même. Cependant, dans l'ordonnance là, juge Walter Wessier Voltaire pas décidé poursuivre monde qui déjà joint une condamnation yo dans pays États-Unis pour même dossier ça. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Villemain pour VOA Créole. Et puis n'a toujours été dans rubrique réaction par rapport à ordonnance yo et nous praler dans Miami et dans Fort Lauderdale. Côté plusieurs citoyens haïtiens réagissent sur ordonnance là. Si pour certains là d'ailleurs accusation contre Martine Moïse là étonné yo, mais pour quelques autres c'est un bagage qui était déjà prévoir. Luxon Saint-Ville gain détail. Environ 24 temps après ordonnance juge la fin prend la rue, nous t'ai décidé à planter piquette nous devant une série complexe dans Fort Lauderdale à Miami. Côté haïtien souvent vient acheter. Comment compatriotes yo comprendre dernière évolution qui gain dans dossier Jovenel là? Yon premier groupe te répond nous comme ça. Le ma vinda de déclaration Martine Moïse, même dit faut arrêter. Arrêter pas parce que le complice non, pas parce que li touye Jovenel non. Arrêter le parce que Jean l'a viré parole, l'a caché bagay, ça que li konnyon bagay que li pa vle di peut-être nan intérêt parle ou bien l'a caché pour l'autre monde. À moi-même Martine Moïse est contribué dans la mort Jovenel Moïse. Ou dit ou prend plusieurs balles, deuxième moment ou dit ou le caché en bas cabane. Après juge al regarder dans chambre là côté où dit al cacher il pas gain espace pour cacher tout ça ou montrer que c'est menti ou fait pour yon l'autre catégorie ça qui dans ordonnance là étonné et yo dit yo gain doute sous crédibilité ak honnêteté juge instruction yo fin faire crime là faut chercher un moun pour yo bali bon comme c'est bon j'y connais moi même pas ouais mais en même temps tout m'pa cresser vrai. Si Claude Joseph était impliqué dans la mort, c'est Claude Joseph qui était premier ministre là, laisse ça. S'il était impliqué dans la mort Jovenel, pas bay Ariel pouvoir, les ont demandé li à Goumavel, lui même li pas dans parler pile ensemble avec monde, li bal pouvoir. Monde ça va grand pour dans ça. Expliquer ça au petit peu là. Ça fait me dou ça. Haïti d'abord quand j'ai pays Haïti aille. Depuis ou pas non parti, l'autre parti a toujours besoin attaque.
Yon dernier groupe haïtien dit yon même y a suivi à campi l'attention et souhaité tout moun ki coupable jwenn santansyo. Nda souhaité madame nan jwenn justice li. On pa bezwen konnen Martin, Claude, on pa bezwen konnen yon non mwen. Tout moun si pou yo tra son exemple men. Nda souhaité yo continue tout bagay, on pran sa ki pou paraît devant juge, paraît devant juge. Ou bon et puis that's it. Compatriote sa yo di yo vle la justice triomphe. Et pour yon bagay kon sa pa jam répété encore en Haïti. Depuis Fort Lauderdale, Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Merci Luxon Saint-Ville. Et bon, tant que nous sommes capables de plusieurs reportages avec micro tout trois qui fait, eh ben nous pas de réaction. Ancienne première dame, nan, Martine Moïse. Jean-Aubert Philippe, l'état bon que nous faisons un coup d'œil sur plusieurs dossiers qui entourent et enquête ça, sauti l'heure commencer pour arriver aujourd'hui. Effectivement, Jacqueline, c'est un dossier qui est aussi important, mais pour nous, qui j'en fait, juge l'affaire aboutir avec décision ça. C'est un dossier d'abord, on a dit qu'il y a plusieurs juges d'instruction qui étaient passés sur la donne, mais juge Walter Voltaire, c'est le dernier juge qui prend décision. En nous, qui j'en s'est passé et qui s'est dit avant de prendre décision ça. Juge Walter Wessel Voltaire, qui t'a enquêté sur l'assassinat président Jovenel Moïse 7 juillet 2021, inculpé ancien première dame Marie-Étienne Martine Joseph Moïse, ancien premier ministre Claude Joseph, et ancien directeur de police nationale là, Léon Charles, actuel ambassadeur Haïti dans l'OEA, parmi plusieurs dizaines d'autres monde qui complotaient pour tuer le président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! C'est comme ça ancien premier dame nan t'ai parlé pendant funérailles Marie le 23 juillet 2021. Ancien premier dame nan t'ai gen message ça après il t'ai fin faire première déposition devant juge instructeur Gary Aurélien 6 octobre 2021. Moi voulais justice, m'a demandé le matin, m'a demandé la midi, m'a demandé la soir jusqu'à ce que me joigne. Trop par le secret de l'instruction. On est lié par le secret de l'instruction. Ancien premier dame n'a pas accepté pendant deux fois invitation juge Walter Wessel Voltaire, qui était un autre juge qui t'a enquêté sur dossier, pour t'aider à approfondir enquête sur assassinat. Ancien premier dame n'a même demandé juge là pour retirer col dans dossier, si nous comprenons l'explication de tes bail collègue nous, Jacqueline Bélisère. Faut sentir à l'aise ou penser que moun ça, c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut pour le takaba ou justice qu'on va chercher, non seulement pour famille, pour peuple haïtien tout. Donc c'est ça que fait moi-même personnellement, moi t'ai recusé parce que me pas vraiment t'ai senti mal à l'aise. Après plus passé 2 ans enquête, juge Voltaire t'a lancé un mandat d'amener contre ancien premier dame nan 27 octobre 2023. D'après plusieurs sources, ancien premier dame nan semblait li pas vivre en Haïti. Rapport enquête 120 de pages là, journal en ligne a eu beau pas joindre une copie, accusé vers président t'a complété avec ancien premier ministre Claude Joseph pour tuer président Moïse pour capable remplacer Maril sous pouvoir. Premier ministre Claude Joseph qui était assuré intérimaire pendant un petit bout de temps après assassinat président Moïse, t'es parlé comme ça. Dans le moment on a parlé là, gouvernement gagne 2 priorités. J'en ai toujours dit. Continuer mener enquête là. Premier ministre Ariel Henry a été cité dans l'assassinat président. Après une nouvelle rapportée, il a eu 2 conversations téléphoniques avec un suspect. Les gens qui parlent d'une conversation que j'aurais eue avec Badiou, ce sont des gens qui instrumentalisent, qui politisent une conversation qui, pour moi, n'a pas eu lieu, mais qui aurait pu être une conversation banale. Ancien premier ministre Claude Joseph, qui jeudi à dos avec premier ministre Ariel Henry, dit lui-même qu'il n'y a pas rien pour un assassinat président. Pendant qu'il déclarait, premier ministre Ariel Henry a servi avec le système justice PIA comme une arme pour le persécuter adversaire. Ça va bien longtemps, le journaliste a été posé l'idée et des questions sous inculpation d'un assassinat président Jovenel Moïse. Ariel Henry connaît qu'il doit quitter le pouvoir, donc il a instrumentalisé la justice. Lui faire commissaire gouvernement Tiboulé, qui s'est rentré par dans la justice là, les mêmes qui nommé, pour faire distraction avec monde qui oppose avec. Rapport inculpé plusieurs dizaines de mercenaires colombiens, responsables sécurité président avec conseiller, pour ne citer ça seulement. La justice américaine déjà condamné 4 parmi 11 accusés liés dans main, le temps court, ancien sénateur John George Joseph, Joseph Vincent ou Doja, pour citer ça seulement. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington.
Merci Jean-Robert Philippe et donc son dossier qui était tout l'ouvrir n'a continué chercher réaction pour vous donc dans niveau VOA Creole. Merci d'être que vous choisi nous pour informer vous. VOA Creole a permis depuis Washington DC. Merci d'être que vous choisi pour informer vous. Nous parlons de l'actualité internationale. La grande nouvelle, c'est les États-Unis qui mettaient veto sur une résolution des Nations Unies qui était appuyée pays arabes qui t'a demandé un cessez-le-feu immédiat dans Gaza. On a lu ça avec Valérie Saint-Louis depuis New York. Ceux en faveur du projet de résolution, s'il vous plaît, levez votre main. Ceux qui sont contre, abstention. Le projet de résolution n'a pas été adopté. Jeudi mardi 20 février, les États-Unis utilisaient droit de veto pour bloquer une résolution des Nations Unies qui était appuyée pays arabes qui t'a demandé un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la guerre entre peuple Israël là à Hamas dans zone Gaza. Vote là qui était fait matin aux environ 10h dans Conseil de sécurité avec 15 membres permanents yo, t'est sorti 13 contre 1 avec pays Royaume-Uni qui t'a fait abstention. C'est un vote qui reflétait un gros support mondial pour mettre fin à la guerre qui durait plus passé 4 mois. Ça fait troisième fois que les États-Unis posaient veto dans un vote sur résolution Conseil de sécurité qui m'a yon campé tiré, yon cessez-le-feu dans Gaza. Nation arabe yon te voté pour une résolution Nations Unies pour mander yon cessez-le-feu humanitaire immédiat dans Gaza. Bien que yon te déjà connaît que États-Unis t'apprend à mettre veto li sous li. Mais objectif yon c'était pour yon montrer si pour yon pour yon mettre fin dans la guerre entre peuple Israël là à Hamas. Ambassadeur américain Linda Thomas Greenfield dit que administration Biden n'apprend à mettre veto sur résolution ça que pays arabe a appuyé parce que résolution ça capable d'interférer à accord continuel que les États-Unis a fait pour arriver joindre un arrangement pour un accord entre parties qui dans la guerre et qui pral bay au moins 6 semaines camp tiré dans hostilité et puis exiger tout pour laguer tout otage que tu prend pendant attaque surprise Hamas te fait n'a rappelé dans date 7 octobre là dans zone sud Israël. Nation arabe qui te joint support plusieurs dans 193 pays membres Nations Unies a demandé depuis plusieurs mois déjà un suspend tiré dans mi-temps conflit ça. Ambassadeur pays tunisien aux Nations Unies, Tarek Ladeb, qui est président groupe 22 Nations Arabes, te dit que un suspend tiré urgent et nécessaire. Il fait remarquer que environ 1,5 million Palestiniens qui tapent chercher sécurité dans la ville Rafah, dans le site Gaza, a fait face à une situation catastrophique. Si toutefois, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu continue avec le plan qu'il a annoncé pour le faire évacuer les civils dans la ville et puis déplacer l'offensive militaire Israël là, dans la zone frontière avec l'Égypte, côté que peuple Israël a dit que c'est là que combattant Hamas a caché. Ambassadeur Thomas Greenfield, dans une déclaration, expliquait que les États-Unis ont travaillé sur un accord pour otages depuis plusieurs mois déjà. Il était dit que le président américain Joe Biden a fait plusieurs appels pendant la semaine passée avec le Premier ministre Netanyahu, avec les deux pays, l'Égypte et Qatar, pour pousser accord pour pire devant. N'a prêté pour nous ça qu'pas le passé après que les États-Unis mettaient veto li sous votre résolution jodi a. Groupe pays arabes capable voter résolution devant Assemblée générale Nations Unies qui gagne la donne 193 pays membres Nations Unies côté que li presque certain que pral approuver. Mais contrairement à résolution Conseil sécurité a, résolution Assemblée générale yo pas légalement obligatoire. L'ESA, Conseil de sécurité, après le droit commencer à discuter sous projet résolution pas États-Unis, qui lui-même plus long, et qui pral pour première fois, non seulement condamné attaque Hamas te fait 7 octobre-là, mais tout condamné otage qui te prend et puis tout yé, sans pas oublier assassinage avec violence sexuelle qui gagne la donne viol. Projet résolution américain pas mentionné peuple Israël là, mais dans une référence claire dans le document, les condamnés appellent ministre gouvernement Israël l'a fait pour réintégration Gaza et puis rejeter n'importe tentative dans changement démocratique ou soit territorial dans Gaza qui t'a violé loi internationale. N'a pas rappelé que l'offensive militaire peuple Israël là t'est venu intensifier en réponse à attaque Hamas là qui t'est tué 1200 moun. Et qui était environ 250 l'autre qui ont été pris en otage. Quantité palestinienne ont été tués dépassé 29 000, d'après le ministère de Santé Gaza, qui n'a pas fait distinction entre civils et combattants, mais il dit qu'en majorité, yo c'est femmes et timoun. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis. L'autre point dans l'actualité internationale, la gain maman défunt Alexei Navalny, qui mandait président Rusla Vladimir Poutine pour remettre le cadavre petit li. Pour le 40 ni yon dernier hommage, yon hommage qui dit de yon chrétien vivant en Alouest à Pipré.
Plusieurs milliers de monde étaient réunis dans la ville Rome en Angleterre pour un hommage dans la mémoire Alexei Navalny, opposant numéro 1 président russe Vladimir Poutine. Représentant tout parti politique, principal syndicat commerciaux et magistrat ville Rome, Roberto Gualtieri, qui dit qu'il vient rendre hommage pour défaire. Nous venons là pour nous honorer Mounsa qui était extrêmement important pour nous. Un symbole opposition contre Vladimir Poutine. Un gros tonton héros qui tournait journée aujourd'hui, un martyr et qui souffrit pendant 3 ans. Vraiment vrai, Navalny passait 3 ans dans la prison côté l'État pugé yon peine 9 ans avant l'été recevoir yon l'autre sentence 19 ans pour extrémisme. C'est un mort qui lagué en pile tristesse dans mita famille. Madame ni Roulia Navalnaya dit li pap abandonné travail maril dans une vidéo et dans rencontre li te gen ak ministre affaires étrangères européen dans ville Bruxelles dans pays la Belgique. Pendant ce temps moment défunt, Ludmila Navalnaya mandé président Vladimir Poutine pour lui remettre li compétence. Moi lancé un appel baou Vladimir Poutine. Solution problème nan c'est dans mon lié. Enfin quittez moi petite moi. Moi exige pour libérer immédiatement corps Alexei pour me ka enterrer tant qu'yon moun. Ton autorité yo continue condamner l'amosa que yo lagé sous dos président Vladimir Poutine. États-Unis a gen pour annoncer vendredi k'ap vin la nouveau sanction contre la Russie pendant gen yon paquet gouvernement européen k'ap convoqué diplomate yo gen dans pays la Russie. Moscou bon côté parle rejeter accusation qui lagé sous dos Kremlin l'amor Navalny. Porte-parole gouvernement Dimitri Peskov déclaré accusation ça inacceptable et que gagné une enquête active qui déjà ouvert sur la mort Navalny et il rejetait tout et il critiquait déclaration que veuve la t'ai fait pour dire que c'est Vladimir Poutine qui touye Maril. Alexei Navalny mourit vendredi qui s'est passé là, il était gagné 47 ans. Donc on dit que maman Alexei Navalny a essayé joindre Koa dans et morgue, mais malheureusement, il y a beaucoup de et on dit que ça prend environ 14 jours avant pour remettre le temps que vous avez gagné pour être capable de faire mener enquête là. Et puis, de l'autre côté, toujours dans l'international, la partisan fondateur plateforme Wikileaks, Julian Assange, mettait sous pied une manifestation devant l'ambassade américaine dans Berlin, en Allemagne, pour protester contre extradition li dans la direction des États-Unis en bas accusation espionnage. Il y a un reportage. Serge Rodriguez. Plusieurs douzaines partisans fondateurs de plateforme Wikileaks Julian Assange étaient rassemblés devant l'ambassade des États-Unis dans la ville Berlin en Allemagne dans le cadre d'une grosse manifestation pour réclamer libération créateur plateforme nan Jody Madia. Avocat défense accusé a commencé plaidoyer dans Grande-Bretagne pour empêcher l'extradition client Yoa dans la direction États-Unis en bas accusation espionnage. Julian Assange, 52 ans, a broumé contre extradition li depuis plus passé une dizaine d'années. Parmi eux, 7 années exil li était imposé sous propre tête li en dedans mission diplomatique pays Équateur. Dans la capitale britannique, là, Londres. Et il était fait 5 ans qu'il s'est passé dans une prison haute sécurité. Christian Mir, c'est secrétaire général adjoint de l'organisation Amnesty International dans le pays de l'Allemagne. Je menaçais pour extrader Julian Assange aux États-Unis, côté libéral fait face à une peine de prison dans plus mauvaises conditions. Je dois libérer lui. Et c'est ça que j'ai réclamé jeudi avec toute force devant l'ambassade américaine. Julian Assange est un expert australien qui est spécialisé dans l'ordinateur. Il y a en bas 18 chefs d'accusation sur le territoire américain. Peut-être Wikileaks a publié plusieurs centaines de documents secrets en 2010. Tela Assange, c'est madame, accusée australienne. Si vous extradez Julian Assange, pas de possibilité pour gagner un procès équitable. Le patat doit j'envoyer lui aux États-Unis, côté du papa gagner sécurité. Le gouvernement américain a marré complot pour assassiner Marie-Moi. Sous le procureur américain fait comprendre que M. Tepote collé avec analyste unité renseignement en amie américaine Chelsea Manning pour commettre Zach piratage dans l'ordinateur département de défense États-Unis, côté où il a publié cap diplomatique secret mettait avec dossier militaire sous la guerre Irak avec la guerre Afghanistan. Patricia Villalonde, c'est une manifestant qui a protesté contre l'extradition Julian Assange devant l'ambassade États-Unis dans la ville Berlin en Allemagne. Je suis ici aujourd'hui parce que Julian Assange est en prison depuis 13 ans et le monde ne réagit pas et les médias ne réagissent pas et les gouvernements de tous les pays font la sourde oreille. Je trouve que c'est inacceptable. Maintenant, on parle de Navalny et ça sort dans tous les médias, Navalny, Navalny, Navalny. Mais Navalny,
que l'importance, il n'était pas représentant de quoi que ce soit, 2%, je pense, en Russie. Mais voilà, c'est très important la sort de Julian Assange. Julian Assange doit être libéré. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et oui, VOA Creole a permis depuis Washington DC. Nous remercions merci toutes les amies qui branchaient dans le moment ça pour suivre le programme et pour tout l'autre monde qui a suivi en différé. Nous avons tourné dans l'actualité dans le pays d'Haïti, côté plusieurs partis politiques et organisations sociopolitiques qui regroupaient en bas bannière TAB Mobilisation Opposition lancée. Ils ont appel pour relancer le processus mobilisation contre le Premier ministre Ariel Henry. Nous sommes sur place à Port-au-Prince, Renan Toussaint. TAB Mobilisation Opposition Progressiste Lan, yon situe qui regroupe plusieurs partis politiques, parmi yon Petite Dessalines, L'Ordre Démocratique, Coalition Nationale Force Démocratique, pour ne citer ça seulement, accampi l'autre organisation sociopolitique plaidé en faveur intensification manifestation pacifique yon sur toute étendue territoire national lan pour continuer réclamer démission. Premier ministre Ariel Henry n'a pas de pouvoir. Monsieur vient à force, balbon le bagaille. Père, il s'est pas venu, monsieur même. Là, monsieur vient à force, on sait quoi le passer. Il va libérer la saline, non? C'est pas ça? Il va libérer la saline, non? Tout le monde qui a fait, il va l'ouvrir dans la caillou. Il a libéré la pelle. C'est terminé de vous faire dans la caillou. Il n'y a pas Ariel. C'est ça, vous rappelez. Ariel, son poisson violent pour la démocratie. Avec toute la communauté internationale, il dit, va venir, monsieur. La police nationale, non, même si. Elle a dit, on fait grave. Non, on dit, oh, récessio, on reconnaît. Force de l'ordre, prévu par la Constitution, c'est la police, l'armée. La police a fait le faire. Cécile, mais c'est qu'on a une violence politicienne qui a fait accompagner le peuple. Ancien député Serge Jean-Louis, qui est coordonnateur national TAB Mobilisation Opposition, dit même si mission multinationale soutient à sécurité a débarqué en Haïti, ça n'a pas empêché l'équipe en place de quitter le pouvoir. Serge Jean-Louis, en termes de proposition, proposait un exécutif de tête. Au premier ministre, au président de la Cour de cassation. Mais naturellement, nous sommes la Cour de cassation. On n'a pas mal de pêche de carottes, même si on ne peut pas. Mais on connaît le mot de la pêche. La Cour de cassation, pas de pêche. Qu'est-ce que ça veut dire, la Cour de cassation joue un rôle important dans la période de crise. Pendant ce temps, le Premier ministre Ariel Henry Akekipli a obtenu arrivée mission multinationale soutien à sécurité en Haïti pour venir aider PNH rétablir l'ordre et sécurité sur toute étendue territoire national. Merci Renan. Renan Toussaint, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince, qu'on y a nous pral et dans Wanamet pour nous une mise à jour sur le travail qu'a fait dans canal là. Et correspondant à nous, Jodley Junior Saint-Ville, parler avec ingénieur Cléomain Dorville. Travail pour installer des vannes dans tête canal là commencé jeudi mardi 20 février 2024 là. Ça qui permet de limiter la quantité de l'eau qui peut entrer dans le canal. Ingénieur civil Cléomain Dorville, dit VOA Creole, depuis demain mercredi, il a commencé à. C'est deux vannes qui vont dans le canal. Il y a deux vannes sur le canal pour aller dans l'autre vanne dans le bassin de sédimentation. Deux vannes pour permettre l'eau en cri. Si on a besoin de quantité de l'eau tout pleinement, il y a venu au fermé vannes. Le travail qu'il a fait maintenant, c'est mieux qu'on a retiré des bétons, qu'on a son travail qui t'a fait, c'est le peuple qui t'a fait. On y en a coupé pour faire l'installation de vannes. Depuis demain, on a commencé à installer vannes. Ingénieur Dorville fait connaître, il y a un travail qui a déjà commencé. C'est finalité qu'a fait qu'on y a là. Les gens vannes ont fait là, nous avons déjà commencé à couper toutes les pièces. Nous allons faire la finalité là. Ok, combien de temps ça prend pour nous monter pour toi? Est-ce que tout le matériel est là déjà? Bon, tout le matériel là. Tout le matériel là, mais c'est un bel équipement technique. Ça veut dire qu'on va faire un équipement pour le mettre. Ça veut dire que dans la semaine, ça, on a installé un. Et puis dans l'autre semaine, on a installé l'autre dévalu. Selon un spécialiste, il y a environ 3000 hectares en pleine Bamariba ou à Captain pour arroser. Poser la question, est-ce que de l'eau qui prend le couler dans le canal là a suffi pour répondre à ce besoin ça? Ingénieur Dorville te répond comme ça. L'eau, ça n'est pas celle qui prend la hausse déjà des paysans, mais il prend le renforcer. Parce qu'il y a 3-4 rivières qui sont déjà sous pleine. Déjà, il y a Jassa, la rivière Canary, et puis il y a la rivière Sable, il y a Tirivière. Et massacre pour le renforcer. Le système là en bas. Dans la période de feuillage, j'avais dit dans le soleil, les bagues la pluie même, planter toujours bien de l'eau pour faire jardin ou à l'aise. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet,
pour VOA Créole. Merci Jodler qui se fait pour nous une mise à jour sur qui j'ai travaillé à dérouler dans canal là dans Wanamet tant que mon yo dit dans slogan yo ben canal là pas camper donc il t'a expliqué nous de bagaille que pral et pral mettre dans canal là. Nous pratiquement arrivé dans fin programme là, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir gros nouvelle là. C'est définitivement depuis hier ben ordonnance juge Walter Wisser Voltaire qui t'a enquêté et sous assassinat président Jovenel Moïse, eh bien, il y a plus passé 50 personnalités que yo a metté devant la justice criminelle. Et parmi yo, ancienne première dame Martine Moïse, ancien premier ministre Claude Joseph, et puis sanglier Léon Charles. Moi, c'est Jacques Lambéliza. Bonsoir et à demain. Merci, gentil.